19h sur EZAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les conflits d'intérêts au sommet de l'État, la dette publique et l'affaire Hofmas International étaient au cœur d'une conférence de presse animée hier après-midi par les leaders du Parti pour la libération du peuple, PLP. Affaire juridique relative au décès de 4 fidèles de l'église de Banamé. De quoi s'agit-il et quels sont les enjeux juridiques qui y concourent? Éléments de réponse dans cette édition. L'arrondissement d'Avamé situé dans la commune de Toribosito est sans énergie électrique. Une situation qui n'est pas du tout commode aux exigences de notre ère et qui influe sur les activités économiques et académiques de cette localité. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa. Oui? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Mm-hmm. Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail, de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jéricho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La lettre envoyée à la directrice générale du Fonds monétaire international à Washington par le PLP, le dossier relatif au scandale politico-financier Hofmas International et la hausse de la dette publique sont entre autres les trois sujets qui ont fait l'objet d'une conférence de presse dans l'après-midi de ce mercredi, animée par les leaders du Parti pour la libération du peuple PLP. Léon Soumbadi n'est pas passé par quatre chemins pour décrier ce qu'il qualifie de tare et dérive d'un régime autocratique qui fait des conflits d'intérêts son emblème. On l'écoute pour plus de précision. Trois raisons fondamentales justifient notre démarche citoyenne. D'abord, les exonérations fiscales et douanières accordées à Bénin Control SA, société ayant appartenu au chef de l'État, puis transférée officiellement à son ami personnel et confident, Olivier Bocor, et à ses sous-traitants, dont Web Fontaine Group. Ces derniers, par contre, n'ont aucun contrat avec l'État béninois, c'est-à-dire les sous-traitants. La nature léonine du contrat du programme de vérification des importations de nouvelle génération, PV nouvelle génération, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est le rôle que joue l'ami et le confident Olivier Bocor, président du conseil d'administration de Bénin Control sur la plateforme portuaire. C'est donc pour toutes ces raisons que le PLP a décidé d'alerter la communauté internationale parce qu'au plan national, personne ne nous écoute. Le FMI est l'un de nos partenaires stratégiques en matière de développement. C'est donc normal qu'il soit saisi dans un contexte de mobilisation internationale pour la lutte contre les biens mal acquis par des gouvernants au détriment de leur population démunie. Le FMI est également engagé dans l'exigence de transparence dans les transactions et la gestion des pays, surtout les plus pauvres comme le nôtre. Il revient de prendre ses responsabilités pour nous aider à sauver les finances publiques. Le retour que nous avons de notre lettre du 11 septembre 2017 adressée au FMI prouve qu'elle n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Nous avons été entendus. Nous sommes convaincus que c'est dans la bonne gestion des affaires publiques que nous pourrons mieux dépenser nos ressources, financer nos efforts de développement, satisfaire les besoins sociaux de nos populations, offrir à notre secteur privé les meilleures conditions d'épanouissement et ouvrir surtout à notre jeunesse de nouvelles perspectives d'éducation, de formation et d'emploi. L'affaire Hofmas International est en passe de détenir la palme d'or du plus grand scandale politico-financier sous la rupture. 164,5 milliards de francs CFA,
En bon prédateur, le gouvernement a mis en place un système sophistiqué d'escroquerie de l'État béninois. Le but était ni plus ni moins de gonfler les chiffres, surfacturer la commande publique et prétexter du mode BOT pour vider les caisses de l'État. Ce nouveau scandale, qui aura des répliques encore plus fortes, implique des personnalités politiques et l'entreprise of mass international SA. Cette entreprise, contrairement aux principes qui gouvernent le mode BOT, le gouvernement lui a avancé 20 milliards de francs CFA alors qu'il nous parlait de préfinancement par l'entreprise of mass elle-même. Si tant est que le gouvernement voulait préfinancer les travaux, pourquoi l'entreprise sud-africaine n'a-t-elle pas bénéficié des mêmes faveurs? Si l'État avait les moyens, pourquoi lui-même ne réalise-t-il pas directement les travaux pour faire des économies au trésor public? Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo tout près, l'exécution des travaux de ce genre n'a pas coûté autant à l'État. On est donc en droit de se poser des questions sur la complicité entre le gouvernement béninois et of mass international. Face à ce gros scandale politico-financier, le PLP exige la mise en place sans délai d'une commission d'enquête indépendante pour situer les responsabilités. Donc, nous souhaiterions vivement qu'il y ait une commission d'enquête réellement indépendante pour nous situer le peuple béninois. Et il s'agit aussi et surtout d'enquêter sur tous les marchés PPP attribués par la procédure de gré à gré ou non, dans lesquels l'État a pris la place des entreprises dans la mobilisation des ressources plutôt que le contraire. La stabilité macroéconomique est menacée puisque le rythme de la croissance de la dette a augmenté. Le gouvernement s'est engagé auprès du Fonds monétaire international à ne pas dépasser la barre des 50% du taux d'endettement public. Fin juin 2017, le taux d'endettement public est passé de 42% au 31 mars 2016 à 53% au 30 juin 2017, soit une augmentation de 11% en 15 mois seulement de gestion, en raison principalement des emprunts obligataires et émissions de bons du Trésor. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, le 6 avril 2016, ils ont estimé que l'ancien régime avait endetté le pays. Mais eux, aujourd'hui, en 15 mois, nous sommes passés de 42% à 53%. Lors d'une prière de neuvaine instaurée dans le cadre d'un culte de purification, quatre fidèles de l'église de Banamé ont connu la mort. Un événement déplorable qui fait l'objet d'une enquête juridique au niveau du tribunal de première instance de Porto-Novo et qui fait objet de polémiques et de controverses dans l'opinion publique. À cet effet, lors d'une conférence de presse effectuée dans l'après-midi de ce mercredi 27 septembre, l'avocat à la défense maître Alain Orunla, dans son argumentaire, a restitué les faits en insistant sur le contexte. On l'écoute pour plus d'explications. On dit qu'il y a des pratiques douteuses, mais de quelles pratiques parle-t-on? Parlons-nous de cette affaire ou on parle d'autre chose? S'agissant de cette affaire dont je vous dis qu'on ne peut pas trop polémiquer là-dessus, mais je voudrais là aussi apporter une clarification. Et quelle est cette clarification? C'est que effectivement, l'Église et la hiérarchie de l'Église de Banamé a recommandé des prières, une cérémonie, une neuvaine, comme il y en a dans beaucoup de confessions chrétiennes, une neuvaine dont le neuvième jour, puisque pour indiquer ce que c'est qu'une neuvaine, les fidèles sont invités à allumer un certain nombre de bougies et à mettre de l'encens, ce qui est parfaitement religieux, et à prier. À l'occasion de cette cérémonie, nous avons constaté et déploré un certain nombre de décès. Un mort est un mort de trop. Et les responsables de l'Église partagent avec les familles éplorées la douleur et le chagrin de cette disparition que personne n'a appelée. Mais de là à rendre fautif, responsable,
la hiérarchie de l'Église du Panama est un pas que la justice n'a pas franchi, ne franchira pas, et donc que nous ne pouvons pas permettre à nos concitoyens de franchir. Des instructions ont été données, effectivement, pour que la cérémonie soit faite, mais aucune instruction n'a été donnée pour que quelqu'un se donne la mort. Personne n'a appelé et n'a célébré ce qui est arrivé, et personne, au stade actuel des choses, ne peut se voir imputer le drame qui est survenu. Les instructions ont été publiquement données. Les cérémonies ont été observées par des millions de fidèles. Et même si je me contente de dire que seules 1000 personnes ont observé ces instructions et cette cérémonie, 1000 personnes ne sont pas décédées. On a déploré 4 décès dans une localité particulière, c'est-à-dire les environs de Porto-Novo, mais personne n'a déploré de décès à Porto-Novo, ni à Cotonou, ni à Abomey, ni à Parakou, ni à Tanguieta. Autant de localités qui comptent des fidèles qui ont observé cette cérémonie. Ça veut dire que ce qui a été recommandé n'est pas un appel à la mort et ne peut expliquer, de mon point de vue, le drame survenu. Donc, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dénaturer les choses. Il ne faut pas sortir les choses de leur vrai contexte. Parce que l'excès en toute chose nuit. Et c'est évident que si des millions de fidèles ont observé et sont prêts et en témoignent, cette cérémonie, ça veut dire qu'il n'y a pas des raisons de soupçonner quoi que ce soit, et encore moins d'attribuer à la hiérarchie de l'Église de Panama des volontés de nuit, de faire tuer des gens, ce qui est totalement contraire à la foi religieuse qui prône l'amour du prochain, qui prône la survie, qui prône la purification, qui prône l'élévation spirituelle. Mais nul n'a le devoir de critiquer la foi de l'un, le Dieu de l'autre. Et je sais que ce qui choque l'opinion, c'est que l'on confonde l'incarnation de Dieu, qui est amour et qui a fait l'homme à son image, avec le temple qu'il est libre de choisir, et qui peut être incarné par une personne humaine, puisque Dieu créa l'homme à son image, comme il peut rentrer dans la fourmi ou dans les arbres pour se manifester. On a le droit de ne pas aimer Panama. Je respecte ceux qui n'aiment pas Panama. Je respecte ceux qui aiment Panama. Mais j'ai du mal à respecter ceux qui enfreignent la loi et qui ne respectent pas les règles fondamentales du savoir-vivre en communauté. L'entrée principale habituelle du Centre national hospitalier Hubert Koutoukoumaga CNHU HKM de Cotonou est caractérisée par un calme plat depuis quelques semaines. Ceci est dû à la nouvelle politique concernant l'accès à ce centre hospitalier de référence. Une nouvelle mesure prise qui s'inscrit dans la dynamique d'assurer davantage la sécurité des malades et de faciliter leur mobilité en cas d'urgence. Reportage. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou dispose désormais de deux portails. L'un en face de la présidence et le nouveau à côté de la morgue de Cotonou. Ces mesures prises par les dirigeants de ce centre ne sont pas le fruit du hasard. Tout Béninois malade ou garde malade ne sont pas encore informés de cette nouvelle mesure et tardent parfois à se retrouver. Je n'étais pas informé. C'est tout à l'heure qu'à mon arrivée, ils m'ont d'abord interdit de rentrer dans la maison. Que je dois aller contourner la maison avant d'y rentrer dedans. Pour moi, à mon homme, la vie, ça ne nous arrange pas très bien. Quoi. Parce qu'ils nous ont demandé, ils étaient venus dans la maison pour aller au niveau de la station, donc de sang, pour prendre des informations. Donc je voulais aller me renseigner pour que la fois prochaine, je puisse venir donner un peu de mon sang. Maintenant, j'ai vu les agents de sécurité sur le portail du CNHU qui m'ont demandé de contourner. Donc je dois aller prendre par le port. Ils ont dit que je dois prendre par le camp Gezo avant de venir dans la maison. Et je trouve que c'est pas aussi bien quoi. Bien bon, peut-être ils ont leur objectif par rapport à ça, puisque nous ne savons pas les raisons qui les ont poussés à faire cela, puisque l'emplacement était bien. Là où ils étaient, c'était bien.
Peut-être ils peuvent dire qu'ils veulent améliorer l'endroit, on ne sait encore rien par rapport à ça. On n'était pas informé. Si on était préalablement informé, ça serait mieux. À en croire le chef service communication du CNHU, cette mesure vise à assainir le cadre de vie et assurer une meilleure sécurité dans l'un des grands hôpitaux de Cotonou. Aujourd'hui, la mesure est telle que, au niveau de l'entrée principale, de l'entrée de la grille principale, passent seulement tous ceux qui sont en véhicule. Quand je dis en véhicule, c'est tout usager, personnel comme malade ou patient. Passe par cette guérite, tout personnel à moto. Mais passe également par cette guérite, tout malade transporté à moto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est garanti l'accès des patients, quel que soit leur moyen de transport à l'hôpital, c'est garanti par cette entrée. Maintenant, l'entrée qui est derrière, qui est situé dans la rue du camp militaire Guizo, cette entrée est une entrée piéton. C'est une entrée piéton, donc lorsque vous venez, que vous êtes usager et que vous êtes à moto, vous avez un parking qui garantit pour sécuriser votre moyen, votre moto, et vous rentrez à l'hôpital à pied. Ça veut dire que nous sommes dans une démarche, nous tenons à respecter les droits du patient. Le patient a droit aux soins. Pendant les heures de soins, il doit avoir qu'un seul garde-malade. Les visiteurs ne doivent pas être là en ces moments-là. Cette entrée va permettre également de libérer la maison des intrus qui commettent les forfaits sur les biens des malades et des garde-malades. Parce qu'à partir de 21h ou l'heure de la visite est terminée depuis 20h, vous ne devrez pas vous retrouver à l'hôpital si vous n'êtes pas identifié. Cette mesure non seulement vise à sécuriser le patient, mais elle vise également à sécuriser le visiteur. Vous savez que nous sommes à l'hôpital et qu'à l'hôpital, il y a des germes qui circulent. Et donc, vous pouvez, après une visite, prendre des germes que vous allez acquérir de manière opportuniste à l'hôpital. Et donc, de ce fait, le temps que vous passez à l'hôpital doit être réduit. En attendant donc que tous les citoyens soient au même niveau d'information et comprennent l'importance de ces différents accès, ils respectent tous les consignes données par les agents de sécurité de ces lieux. Il faut préciser que les activités de vente et garde-vélo sont actuellement de l'entrée de la morgue. Autour des écoles et universités à Cotonou, fleurissent des boutiques qui se lancent dans les activités de papeterie, de vente de fournitures scolaires, de centres de photocopie, de prêt-à-porter, des centres de restauration et bien d'autres. Un véritable business qui plonge les investisseurs dans une situation où leur chiffre d'affaires dépend des exigences des étudiants et du nombre d'étudiants que compte l'école voisine à l'orée de la nouvelle année académique. Suivons ensemble ce reportage. Ils sont nombreux à installer des stands et autres baraques aux abords des voies et trottoirs pour vendre les fournitures scolaires. D'autres encore proposent leurs services pour les photocopies et autres aux élèves et étudiants. Ces activités de revenus liées au secteur scolaire au Bénin sont en plein essor par ces temps de rentrée scolaire et universitaire. À cette période de l'année, ils font un bon chiffre d'affaires car la demande est là et peut même parfois s'élargir aux enseignants et professeurs. Il y a pas mal d'écoles et d'universités qui nous entourent. Et les élèves, les étudiants qui sont dans ce secteur ont effectivement besoin de faire de la duplication, des copies, les devoirs et éventuellement saisir des tests ou plus généralement les rapports de stage et mémoire. Bon, ce qui génère un peu plus de trafic chez nous, c'est les activités de photocopie essentiellement. Donc, en période d'année scolaire, le volume d'activité est un peu élevé, contrairement aux périodes de vacances où la demande chute complètement. Il y a une grande différence entre les vacances et la rentrée, parce que pendant les vacances, les enfants sont à la maison, donc ils n'étudient pas. Donc, quand les rentrées commencent, nous, on voit un peu. Il y a la vente, il y a un peu de vente. Je vends à peu près 50 000, 60 000 par jour. Pendant ces vacances, leurs chiffres d'affaires ont donc chuté et pour faire face à leurs différentes charges, les plus tenaces ont dû se reconvertir spontanément dans d'autres secteurs porteurs. D'autres encore ont préféré garder l'activité en exposant d'autres articles prisés par les vacanciers, ce qui leur a souvent permis de subvenir à leurs besoins en attendant la reprise des classes au sein des établissements. Il y a des gens qui ont besoin des choses, si les cahiers finis viennent,
acheter, un peu. Je suis dedans, je fais la saisie, je fais photocopie, couleur, plastification, je fais tout, je vends des trucs. Si les gens ont besoin de quelque chose, je les vends. La principale cible, ce n'est pas forcément les étudiants. Donc du coup, que ce soit en période de vacances ou en année scolaire, mon activité continue normalement. Donc l'activité est maintenue tout au long de l'année, que ce soit en période de vacances ou pas. Notre point de vente est ouvert à tout type de client qui vient solliciter ce type de service. Il faut noter que ces activités profitent aux apprenants qui font leur ravitaillement en fourniture scolaire et photocopient aussi des épreuves. Et pour finir, situé dans la commune de Toribosito, l'arrondissement d'Avamé, comme la plupart des localités éloignées des grandes villes modernes, est privé d'énergie électrique. Une situation qui plonge au quotidien population et autorités locales dans la pénombre après le coucher du soleil. Une situation qui n'est pas du tout commode aux exigences de notre ère et qui influe sur les activités économiques et académiques de cette localité. À cet effet, une équipe de la rédaction de ZAETV s'est rendue dans la localité d'Avamé afin de vivre à travers un constat le calvaire que vivent ces populations. Il est 20h, la nuit tombe sur l'arrondissement d'Avamé dans cette localité éloignée de Cotonou privée de l'énergie électrique. Ce sont lampions, torches et lanternes pour les plus fortunés qui éclairent la pénombre pendant la nuit. Dans cette case, c'est la lueur de cette lanterne qui illumine toute la maisonnée qui s'apprête déjà à tomber dans les bras de Morphée. Toujours dans cette pénombre ambiante, Viviane a la vingtaine environ, puce de l'eau dans cette fontaine. À quelques encablures, cette dame lave soigneusement son enfant et sa cohabitante tâche de faire la vaisselle. Plus loin encore, cette femme prépare dans cette marmite posée sur ce foyer le repas de toute la maison. Du côté du local qui abrite l'arrondissement d'Avamé, c'est la lumière de cette lampadaire solaire qui éclaire une petite partie de la cour. À l'intérieur de ce somptueux bâtiment, le chef d'arrondissement travaille au quotidien sans lumière. Cela n'a pas d'autre explication. Nous sommes là. Des fois, vous êtes tenu de rester au bureau jusqu'à 20h, 21h. Mais je suis obligé soit d'allumer un groupe électrogène ou bien de travailler avec mon portable ou bien une lampe torche. Parce que l'arrondissement est dépourvu d'électricité. Il y a pas, mon arrosoir n'est pas électrifié. J'ai un lampadaire solaire. Ça permet quand même d'éclairer une partie de la cour, une partie de l'extérieur de l'arrondissement. Donc pour le moment, voilà comment je me démerde. Comme la plupart des localités éloignées de Cotonou, population et autorités locales de l'arrondissement d'Avamé, dans la commune de Toribosito, sont privées de l'énergie électrique de la société béninoise d'énergie électrique. L'autorité locale fustige cet état de choses qui constitue un frein pour le développement d'Avamé. Il lance par ailleurs une doléance à l'État, aux structures publiques et privées afin de doter l'arrondissement d'Avamé de lumière. L'arrondissement de Toribosito fait partie des arrondissements, les moins lotis, les très très peu développés ou pas du tout développés. En dehors du joyau que la Loterie nationale nous a réalisé, c'est-à-dire le centre de transformation des produits agricoles, en dehors de ce centre-là, il n'y a plus rien d'autre comme infrastructure. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, le développement à Avamé s'arrête là, alors que c'est le départ de tout développement. Si aujourd'hui l'électricité rentre dans Avamé, vous allez voir, ça va prendre un boom. Je profite de votre antenne pour appeler les bonnes volontés, l'État béninois et toutes les structures qui apportent un plus aux populations qui en ont besoin. De porter un regard sur Avamé. L'énergie électrique est un vecteur de développement durable dans nos localités. Vivement que les cris de détresse de la population de l'arrondissement d'Avamé trouvent un écho favorable auprès des autorités de ce pays. Ainsi se referme cette édition de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.zaetv.com et n'oubliez pas demain matin le rendez-vous matinal de votre émission préférée Prix Matin. C'est une présentation de Nadège Diouan.